Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Allegria Real Estate, mon nom est Lisa Ducourneau. Aujourd'hui, je vais vous présenter une villa traditionnelle et familiale qui se trouve à 2 minutes du magnifique golf de la Finca. Ici à la Finca, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, restaurant, café. La mer se trouve à 17 km et je vais vous présenter dès à présent la villa. Allons-y. Après avoir conduit moins de 2 minutes du golf de la Finca, nous nous trouvons dès à présent devant la magnifique villa que je vais vous présenter aujourd'hui. Bienvenue à l'intérieur de cette propriété, propriété qui est entièrement sécurisée. Ici, nous arrivons sur une zone de stationnement. Vous pouvez aisément garer 4 voitures, donc ça, c'est vraiment l'idéal. Juste à ma droite, vous avez une zone de barbecue et derrière moi, vous avez la magnifique maison que nous allons voir aujourd'hui et l'accès au sous-sol. Cette superbe maison traditionnelle est édifiée sur une parcelle d'environ 2000 m². Cette parcelle est entièrement paysagée et jardinée, donc vous trouverez dans la parcelle de magnifiques arbres, des palmiers, des oliviers, donc c'est vraiment très intéressant, ça sent merveilleusement bon. Ici, vous pouvez profiter de cette maison aussi bien été comme hiver. La maison dispose de plusieurs terrasses, notamment celle-ci avec une magnifique vue sur le lac, sur la mer et surtout sur votre magnifique piscine que nous verrons juste à la fin. Bienvenue sur cette seconde terrasse, terrasse qui est bien plus grande que la précédente. On a à peu près 50 m² de terrasse. Cette terrasse est idéale pour l'été comme l'hiver puisque vous êtes abrité, donc vous pouvez profiter de cette terrasse vraiment toute l'année. Allons voir l'intérieur de la maison. Bienvenue à l'intérieur de cette villa et surtout bienvenue à l'intérieur de cette cuisine. Cuisine qui est très grande, donc vous pouvez vraiment profiter pour cuisiner. Vous avez énormément d'espace pour faire de la bonne nourriture pour vos amis et votre famille. Vous pouvez profiter de tout l'espace qui est mis à votre disposition. Les plus de cette cuisine, c'est que vous avez donc une pièce qui sert donc de cellier. Vous avez de quoi mettre vos machines, votre évier et notamment du rangement. Pour vous repérer, nous arrivons directement ici dans l'entrée de cette maison. Donc dans l'entrée, vous avez forcément accès à la porte d'entrée. Sur ma gauche, vous avez l'accès au salon de séjour que nous allons voir juste après. Cette entrée dessert aussi la porte d'accès pour aller au sous-sol, une master bedroom et un autre WC. Bienvenue dans ce salon séjour. Moi, ce que j'aime beaucoup ici dans ce salon séjour, c'est que c'est une très grande pièce. Ici, vous avez un demi-toit cathédrale et tout le salon séjour a une belle vue panoramique sur votre piscine et sur votre jardin. Vous avez deux zones qui sont vraiment définies avec ici une zone de salon et ici une zone pour profiter de vos repas entre amis ou en famille. Rappelez-vous, je vous ai dit que l'entrée est donnée sur une salle de bain et une master bedroom. Allons voir la master bedroom. Ici, donc, vous êtes sur la suite parentale de ce premier étage. Chambre qui est très grande, qui dispose de son propre dressing et de sa propre salle de bain, ainsi que de son petit balcon. Et à présent, allons voir le premier étage et les autres chambres. Je me trouve à présent au niveau du premier étage. Cet étage dispose donc de 3 chambres ainsi que d'une salle de bain. Allons voir dès à présent la première chambre. Ici, vous êtes sur la première chambre de cet étage. J'aime beaucoup cette chambre puisqu'elle est lumineuse. Elle donne sur un petit balcon et surtout, vous avez énormément de rangement.
Derrière moi, vous avez la salle de bain de cet étage et ici, vous avez la seconde chambre. Ici, vous êtes donc dans la deuxième chambre de cet étage, chambre qui est très grande au niveau du plafond. Si vous pouvez voir qu'on est sur un gros plafond et vous avez de nouveau de nombreux rangements. Nous sommes ici donc dans la dernière chambre de cet étage, chambre qui est aussi quant à elle grande avec une hauteur sous plafond intéressante et de nouveau des rangements sur mesure. Et le gros plus de cette villa, c'est que vous avez un sous-sol complet. Maintenant, allons le voir. Donc sur cette partie de sous-sol, vous avez deux pièces, donc notamment un bureau qui est sur ma gauche et sur ma droite, vous avez une pièce technique. Sur la seconde partie donc du sous-sol, sur ma gauche, vous avez un autre bureau et ici, sur ma droite, vous avez donc la partie garage. Allons le voir. Vous êtes dès à présent donc dans la partie garage. La partie garage regorge encore de petites pièces. Vous avez notamment une cave, un toilette. Ici, vous avez une petite partie cuisine et notamment pour garer vos véhicules. La villa que nous venons de voir ensemble est une villa traditionnelle familiale de 355 m² édifiée sur une parcelle de 2000 m² pour le prix de 700 000 euros. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la noter en commentaire. Mon nom est Lisa Ducourneau et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hasta pronto.